لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. Ici, ce qui concerne nous aujourd'hui, c'est l'aspect la justice. En lui-même, les bons nous comprennent que la justice est centrale dans le message de l'islam. Allah Ta'ala nous comprend sa vérité là dans Surah Al-Hadid, Surah 57, verset 25. Quand Allah Ta'ala fait nous comprendre, A'udhu billahi minash shaitan rajim, لقد أرسلنا رسولنا بالبينات. Nous faisons envoyer nous ben rasoul avec ben signe clair. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Et nous faisons descendre aux autres le kitab, livre là, والميزان, et la balance. Qui fait ليقوم الناس بالقسط, afin que Jimoun vive dans la justice. Centralité, ce message-là, c'est sa notion de justice. Et en même temps, une petite coïncidence qu'ils vont souligner, le Coran est dans 114 sourates, au milieu, c'est 57, Allah t'a descendu ça dans sourate 57, effectivement, verset numéro 25. Fais-nous comprendre qu'il est central. Il est central, sa notion de justice dans le message de l'islam. Et moi, ou, veut dire qu'il donne nous la vie tous les jours. Nous ne pouvons pas recevoir un chef d'État, nous ne pouvons pas recevoir un calife, nous ne pouvons pas recevoir un ministre, mais au moins dans sa djiboute qui nous donne la case, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos voisins, collègues dans le travail, ce qui nous besoin, sortir, c'est sa notion de justice. Il faut qu'il jamais dans la vie, jamais comme un disciple, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il jamais quand nous tournons les deux, dit monde, c'est un zalim ça. C'est un pharaon, ça. Si jamais nous avons ça dans la vie, c'est qu'il nous trahit tout l'enseignement de ce Rasoul-là. Donc, sa notion de justice est centrale dans le message tout le Rasoul. Tout le Rasoul est venu pour enseigner l'humanité comment il y a besoin de la justice dans nos lacasses, dans nos bazars, dans nos travails, vis-à-vis de l'étranger, dans nos familles. Et en même temps, les gens nous comprennent quelque chose, particulièrement pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des aspects qui nous sont capables de comprendre afin qu'ils nous capables
gagner l'idée exacte, ça la soule dans qui mesure l'in fait un travail qui est extraordinaire. Les mérouens, dans l'époque qui ça la soule est venu, pour venir jusqu'à, nous pouvons dire, 19e siècle, la justice est l'instrument de domination. Dans la même manière qu'il faut, dans la même manière qu'il a pouvoir, dans la même manière qu'il risque, pour exploiter les pauvres. Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes mentionnent ça, de pensées, de livres qui mentionnent sa situation-là. D'ailleurs, ici, pour ce que nous mettons, c'est par exemple Platon, un philosophe, quand il mentionne que la justice, c'est dans l'intérêt qu'il faut. C'est tout simplement un outil qui sait qui man qui faux, man qui malin, man qui risé servi pour imposer l'eau la masse. Vous donnez l'idée? Il y a quelque chose qui nous attend de parler. Féodalisme. Qui veut dire? Il veut dire l'Europe dans le Moyen-Âge, 15e, 16e siècle. Non seulement l'Europe, même l'Inde, par exemple, mais une grande partie dans l'Asie. Comment les sociétés? Nous avons un djimoun qui est bien riche. Il est riche. Il possède 40 000 arpents terrain, 50 000 arpents terrain. Et là, tout ça, ça qui est contrôlé, là, tout cela, c'est sa propriété. Il possède plantation, il possède animaux, veut dire bœuf, cabri, mouton, séval, c'est sa propriété. Tout ce qui est rapporté, légumes, fruits, c'est sa propriété. Là, il y a 5 000 djimoun qui travaillent, ça 5 000 djimoun là appartenir à lui. C'est sa man djimoun, ça. C'est sa propriété, ça. Et ça dit, là, lui met la loi. Lui met la loi. Lui met la loi qui concerne ça 5 000 djimoun qui travaillent sous lui. La loi pas concerne lui même non. Pas concerne sa famille, mais concerne man travailleur. C'est lui qui coquait un cabri de bouquin 10 coups de fouet. C'est lui qui peine le travail, c'est pas des os. De vous donner 20 coups de fouet. La loi, c'est un outil qui fait des gens misère. Travail, c'est un travailleur, un esclave, un semi-esclave. Travail, et libre, sa famille n'est pas appliquée par la loi. Il est passé, il y a 5 000 travailleurs, il trouve un travailleur là-dedans qui est dans une jolie madame, il prend madame là, il prend lui. Il trouve un travailleur qui est dans une jolie tifi, tifi là, il plaît, il fait prendre une tifi là, il fait ce qu'il a envie. Il est au-dessus de la loi, ou pas capable de tous les. Mais il n'y a cour qui dit lui appartenait à ce qu'on appelle le féodalisme. C'est dans l'Inde et Tchina, ça plaît, dans l'Asie, dans l'Europe. Donc c'est ça, la justice qui existe, mais c'est un instrument dans la main des pauvres. L'autre quelque chose qui tient là, la justice, de la façon qu'il tient là, qui est administrée, nous dire, au niveau central, c'est plus un système qui est marqué par superstition. Superstition, paganisme. Il y a quelque chose qui s'appelle Odali. O-E-D-A-L-I-E. Odali, c'est une façon qui te perd un jugement. Par exemple, l'Odali par le feu rouge. Qu'est-ce que c'est? C'est un djimoun, par exemple. Djimoun là, il amène les coupables. C'est pas les battants d'autres, les douilles. Comment vous connaissez pas ça djimoun là, les coupables ou bien les innocents? Alors, si tu prends les, fais-les sortir un bar, prends un bar ferraille. Sauf lui, bouillante, fait aller sortir sa ferraille là-dedans sous la main pendant une distance de 9 pas. Quand il finit, prend sous la main, attasse dans un légan. Il y aller. Après 2-3 jours, tu viens. Après 2-3 jours, ouvert tiens légan, il y a sous la main. Si sous la main, closé, il y a des coupables. Rappelez, répète, il y a des coups de fouet dans le coup. Mais si sous la main, propre, il n'y a aucun close, il n'y a aucun manque. Brûlé, j'ai l'innocent. Dis-toi, allez-toi, tu es innocent. C'est même quelque chose qui est irrationnel, obscurantiste, qui n'a aucune base logique là-dedans. Par exemple, j'ai un qui fait pas l'eau d'aller par de l'eau bouillante, ou prendre gros marmite, mais de l'eau bouillante là-dedans. Alors, prêtre, tu as une alliance entre nous, dire, prêtre, et également, ban qui te considère comme ban, dire, ziz, dans l'endroit. Prends une bague, zette dans sa djilou là. Je dis, ok, une gagne toi, vous ne connaissez pas tout, innocent, sont coupables. Avant, il te la met dans sa marmite là, tu vas être redrodé et tu vas gagner une bague. Si tu réussis, tu as sa bague là. Tu as bague, tu as besoin de tirer. Quand tu tires la bague là, pareil, sur la main, une bouillante. Réattache sur la main, je dis, allez, après 4-5 jours, tu viens. Si tu as close, veut dire, tu es coupable. Si tu es close, veut dire, tu es innocent.
une pratique qui peut, par exemple, si on a parlé, on a une grand diffé, faisait traverser ça sur l'autre côté. Si tu brilles, ton mot, vis vraiment que tu es coupable. Si tu es innocent, tu es traversé, tu es sorti, tu es innocent. Nous sommes dans l'Europe, dans le Moyen-Âge, dans l'Inde, l'Inde, par exemple, dans la rivière qui a plein de crocodiles, tu es saute par ici, elle saute de côté là-bas. Si le crocodile déchire, dit mon avis, tu es coupable. Le crocodile déchire. Pareil comme ça, tu appelles ça. Tu n'as l'autre agni parik ça. Prends les aides dans Diffé, fais-moi dans Diffé pareil. Si le récit m'a aussi, il sort, il est innocent. Donc, imaginons la justice qu'il y était dans l'époque que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend. Donc, des gros contraintes, une classe du monde qui servit la justice comme un instrument pour dominer les pauvres. Et deuxièmement, la justice remplie avec ban superstition, paganisme, une croyance irrationnelle. Et c'est une continuité. Une continuité jusqu'en 1875 dans l'Angleterre, par exemple, un exemple. Et là, une fameuse parole qui dit « The king could do no wrong ». Les rois jamais fait erreur. N'importe quelque chose que les rois font, jamais, on ne peut pas poursuivre. Il est au-dessus de la loi. Il est là autour de la loi. Même ce qu'a dit, par exemple, on ne peut pas mettre une caisse contre la reine de l'Angleterre. On ne peut pas poursuivre un prince. On ne peut pas poursuivre les autres démons de la famille royale. Mais la reine est au-dessus de la loi. Mais en dehors de la loi. C'est ce qu'a dit. Donc, si on regarde ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a même un concept de justice. Adl, en arabe, mettre quelque chose dans sa vraie place. C'est ça, Adl. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir, il pour révolutionner sa domaine de la justice là, net en entier. C'est tout ce qui a trait avec nous dire inégalité, c'est un barrage qui est partout dans le monde qui bloque la justice. Il y a une inégalité sociale. Dans le sens que, dans la société, il y a tout qualité rang. Là-haut, il y a les rois, ben qui n'a pouvoir, ben qui n'a casse, ben commerçant, ben ce qu'on appelle comme l'aristocratie ou bien bourgeois, ça c'est une classe. Après, il y a ben différents niveaux, ce qu'on descend net en bas, il y a ben esclave, mais il y a ben qui fait peine aucune ressource. Donc, je trouve autres qui tu peux subir, autres qui tout le temps la justice tu peux appeler existe lui-même. Il y a quatre barrages qui comme je dirais, bloque déroulement de la justice, inégalité sociale, corruption. Quand il y a la caste, il y a des juges, il y a des avocats, il y a des magistrats. Après, nous-mêmes, nous avons la mentalité dominée qui est dans le monde. Mentalité dominée. Et quatrième quelque chose, c'est l'émotion. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, guidé par le Coran, guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait aussi avoir un système de la justice, qu'au-delà, effectivement, il pour réussir à combattre sa quatre barrages qui est dans l'application de la justice. Ce qui est numéro un, base que ça a sur la pomme, c'est ça, Tawhid. Tawhid, ça a une base. Législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait la loi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, ce prophète, il applique la loi. Mon grand principe, dicté par le Coran, par Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète pour appliquer cette instruction-là dans la vie tous les jours. En même temps, c'est que quand là, nous prenons le rôle législateur, nous mettons dans la mienne, là nous gagnons ce qu'on appelle une égalité parfaite qui existe l'islam tout seul et amené, nous capables de dire jusqu'à aujourd'hui la terre là. Une égalité que peine à personne, tout le monde l'a un même niveau. Prend des pieds sur dernier mendiant, jusqu'à les rois, jusqu'à président de la République, je tout retrouve devant la loi dans un même, dans, c'est ce qu'on appelle une citoyenneté égalitaire. Et comment il y a pas mené ça? C'est que tout dans l'islam, il y a tout un, nous capables de dire, une méthodologie qui sera sur l'aide amenée. Et dans la pratique, tout vient renforcer sa notion de l'égalité. Par exemple, Namaz en lui-même,
Namaz contribue grandement dans casse tout ban baraz en dimoun. 5 fois par jour, nous venons l'eau en place que nous proclamons Allahu Akbar. Allah qui grand. Allah qui grand. Il est central dans ça. Il est central dans le message qui sera sur la inamine. Fait que vous comprenez qu'après Allah paye d'un autre, au niveau d'Imoun, devant la loi, nous tous nous égal. Nous tous nous pareils. Et c'est ça notion faux de citoyenneté égalitaire qui existe l'islam tout seul. Non seulement il dit en théorie, mais il réussit à actualiser n'importe quoi qu'il allait. Dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Europe, partout, nous réussissons à appliquer ce système-là. Ou rentre dans ma zid, celui qui vient premier, nous sommes capables de dire, il est capable d'être dernier, s'arrêter, il est premier, saf. Si le roi est le dernier, il fait un masque de paillasson. Si le prince est le dernier, il fait un masque de trottoir. Donc, ça, c'est une réalité qui nous vive, qui nous actualise, 5 fois par jour. Pareil comme ça, nous retrouvons dans une échelle plus grande dans Hajj, pour renforcer sa notion. Qu'il aide dans l'application sa notion de tawhid. Pour faire abolir toute bonne distinction de race, classe, privilège, devant la loi, il faut abolir tout cela. Et en même temps, nous devons dans tout ça, 6 étapes qui mentionnées là, combattre le népotisme. Mais il y a une famille qui est trop au-dessus de la loi. Par exemple, président, népotisme, c'est-à-dire quand. Dans une situation, il favorise son garçon, il favorise son petit fille, il favorise son belle-fille, il favorise son belle-mère. Mais dans l'islam, par rapport à la loi, il n'y a pas cette possibilité-là. En même temps, c'est qu'il y a toute une forme de discrimination. Discrimination, et là, ce qui, en même temps, prouvait pour faire, c'est qu'il y a une attention particulière à tout le monde qui, auparavant, dans sa structure sociale-là, se tirait trop aux autres, pour les gens qui peuvent opprimer. Je veux dire, man madame, man esclave, man qui paraît trop aux opés dans aucune tribu, même d'une certaine façon, man animaux, tout man qui trouve aux autres faibles, pour en avoir une considération spéciale dans le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète pour travail, pour donner aux autres ce qu'il appelle upliftment, pour élever ce man-là, jusqu'à tel point. Qui a un bon traitement vis-à-vis des autres, il faut partir dans l'iman, dans la foi. De façon qu'il nous vit vis-à-vis de ma madame, mon esclave, mon enfant, mon personne âgée, mon orphelin, mon handicapé, mon travailleur. Et surtout, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourrait s'y faire d'une façon qui est propre à lui, ce qu'il fait, c'est que mon action d'éclat, mon quelque chose qu'il peut faire qui est faux dans ce symbole. Pour dire bouleverse arabe là sur façon raisonnée. Par exemple, dans l'Arabie à l'époque là, 14 années d'ici là, c'était un Arabie qui tenait une hiérarchie, tribu. Dans une tribu aussi, il y a une tribu qui est fort, une tribu qui est faible. Et dans une tribu qui a un prestige, qui a une noblesse, et dans une tribu qui est relativement faible. Ainsi, il y a les autres, les esclaves, qui sont partis de la tribu. Pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait un mariage. Lui-même, personnellement, il investit les personnes dans le mariage de sa propre cousine, Zainab bint Jahsh, qui appartenait à la tribu Quraysh. Et dans Quraysh, il appartenait à sa tribu, Banu Hashim, qui était plus noble dans le Quraysh. Imaginez-vous, un petit fille noble dans l'aristocratie Quraysh, prophète pour le faire. Comme je dirais, demande avec qui celle-là? Avec un esclave. Un esclave. Zayd ibn Harith. Un esclave noir qui paye aucune tribu. Dans l'Arabie, ça l'époque-là, si vous payez une tribu, vous dire, un djimoun qui. Comment ça? Un résété. Un paria, vous payez aucune statue. Parce que le problème, ça fait que djimoun djimounou, qu'on appelle. Un tel. Ton papa qui s'en a, Mohamed. Ton mama, ton dada qui s'en a. Quand fini, djimounou, qui tribu tu étais? Là, vous dites, moi, dans Banu, tel tribu, Banu, tel tribu. Si vous dites, moi, je paye une tribu, vous dites, vous avez des gens qui ne payent aucune considération, aucun statut, aucun niveau dans la société. Et Banu, qui est là-dedans, c'est au bouquin, par exemple, Bilal, dans sa carte, qui est Zayd ibn Harith, ça va là, c'était des gens qui payent une tribu, un esclave. Le prophète fait un mariage
entifié, noble, sorti dans son propre cousin Zainab avec Zaïd. Qui fait, en même temps, c'était comme si je dirais, quand ta nouvelle la fané, un arabe devient balaou. Qui dit ça? Un petit fils de l'aristocratie, mais moi avec un esclave, noir, paye la tribu. C'est un véritable sacrilège, ça. Et ça, pour le Mohammed, s'il fait ça, justement pour bizet, comme si je dirais, déprogramme ça la tête qui remplit avec précisé, qui remplit avec toute qualité. Nous capables de dire une conception malpropre vis-à-vis du monde. Pour faire comprendre que tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Qu'il est noir, qu'il est blanc. Zodi 2018, nous avons dit à lui, nous avons dit, ouais, mais tu connais, à Zodi, c'est facile. Même à Zodi, quand nous disons tout le monde est égal, noir, blanc, égal, il y a encore, si nous suivons l'actualité, pas dit que samedi, dans l'Amérique, c'est une case, que dans Chicago, c'est une belle mobilisation. Un policier blanc, en 2013, tu arrives ça, tyrannisement, vendredi tantôt, qui est un tyrannisement. Un policier blanc, il tire un coup de balle, il tue un zen noir dans Faubourg, Chicago. Nous disons, l'Amérique, 2018, nous croyons dans le droit de l'homme, nous croyons dans l'égalité, nous croyons qu'il peut y avoir la distinction entre noir et blanc. Menti. En théorie, nous sommes capables de dire. Mais dans la pratique, ce qu'a aujourd'hui, quand on dit noir, on cause subir discrimination partout. Même dans l'Amérique. Parce qu'à tel point, ban militant des droits civiques, ban noir, il mobilisé. Si bien tant de dit que la vendredi, si ban jury a quitté sa policier là, de l'autre côté, la police est mobilisée partout dans Chicago, tu finis qu'on est ici, ça jugement là vini. Sa policier blanc là a quitté, qu'on est qui pour une émeute, pour une vote écrasée, touillé, brûlé, je finis préparé au pire. Réellement, quand Ranzisement condamne sa police blanc là. Mais même ça, sa mobilisation qui finit n'importe où là, lui montre nous qu'il confiance dans la justice pénale. Même dans un pays comme l'Amérique, quand il s'agit race, quand il s'agit noir, blanc, malgré quand il y a joli discours qu'on peut faire, joli parole qu'on peut dire, mais il reste une réalité qui faisait faire cause des faux pour gagner. Oh, ici, 1400 années de cela, Mohamed Sassam fait quelque chose qui, par exemple, Bilal ibn Rabah, après la conquête de Makkah, l'eau Kaaba, nous connaissons qu'aujourd'hui, Kaaba, c'est une place sacrée. Le prophète fait Bilal, monte l'eau Kaaba pour donner à Zan. Ça, spectacle là même. Livré que l'islam peut rentrer, Benjamin peut convertir, peut rentrer dans din. Mais quand nous regardons, par exemple, dans mon livre Sira, un commentaire que Benjamin a fait, est incroyable. Un parmi les Arabes qui trouve ça, il dit, heureusement, mon papa n'est pas là pour lui témoigner un tel spectacle. Pour lui, c'est un... Parce que, qui t'y habitue, c'est que, par exemple, quand vous lavez Kaaba, quand vous nettoyez Kaaba, c'est Benjamin qui font partie de l'aristocrate. Ban qui apprécie les autres qui gagnent sa privilège pour lave Kaaba ou soit monte le Kaaba. Ici, il choisit un esclave qui sur la peau noire fait lui monte là-haut pour donner Azan. Et l'autre parmi les Quraysh qui ne fait grand dandine, il dit mais si au moins Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu choisis un autre apporte sa corbeau noire là pour faire ça. Imaginez, si au moins Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu choisis un autre apporte sa corbeau noire là pour faire ça. Et vous arrivez à comprendre quand tu es dans une société hyper raciste. Mais deuxième, en même temps, quand nous avons une ascension qui est finie pour Bilal radiallahu anhu, quand Bilal pour retourner à un certain moment, il pour remplacer un calife dans un moment, il pour retourner comme gouverneur l'armée musulmane dans un jihad, c'est qu'effectivement, il n'est pas juste une notion théorique, mais seulement dans la pratique, il réussit à faire rentrer dans l'esprit du monde et dans l'esprit musulman à une grande mesure, qui dans l'islam peine à racisme, qui nous tout nous égal, qui nous noir, qui nous blanc. Alhamdulillah, dans nos communautés, nous sommes capables de dire pardon, nous faisons un grand pas dans accepter sa réalité là. Mais ce qui nous constate, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est dans nos sociétés, il est encore difficile
pour accepter sa notion de légalité. Parce que la justice, pour les récits marseillais, faudrait qu'il nous récit amène sa notion d'égalité, qui tout citoyen égal devant la loi. PNN qui est supérieur, PNN qui n'a privilège devant la loi. Donc, il a sa notion première de tawhid. Tawhid pour celle tawhid qui est capable de garantir vraie justice. Quand on comprend que la loi, c'est Allah qui établit la loi, c'est lui tout seul qui législe la terre. Nous tous, nous venons de nous dire, si j'ai avec mon droit égal devant la loi. Et, fin et un grand travail qui sera sur là, il fait au niveau de l'éducation. Pour qu'il soit capable d'appliquer la justice, les morts ensemble avec l'éducation. Et nous pourrons, pendant tout long ce parcours, et pour terminer avec dans dernier sermon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prononcer dans à la fin, quand là, il peut être l'enfance, sa notion qui est un arabe, il n'est pas meilleur qu'un non-arabe. Un non-arabe, il n'est pas meilleur qu'un arabe. Un rouge, pas supérieur le noir. Un noir, pas supérieur le rouge. Excepté dans ta croix. Excepté dans ta croix. Il y a tout ça l'aspect, l'éducation qui travaille. Après ça, il y a une application dans la pratique qui fait. Et bout en bout, pour amener cette notion d'égalité là, c'est qui, prophète même, lui-même, l'invine en premier lieu pour donner l'exemple, qu'il est égal. Égal devant la loi. Par exemple, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, racontait que pour l'expédition de Badr, nous y retournons avec. Nous n'avons pas de ressources, un montier portage à trois. Un montier veut dire un samo ou bien un séval portage à trois dimoun. Et dans le cas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il peut porter ce montier avec un sahaba qui s'appelle Abu Lubaba, avec Ali bin Abi Talib. Veut dire un monté démarcé. Après un petit moment, tout changé, un deuxième monté, l'autre démarcé. Troisième monté, il y a allé comme ça. Quand arrive. Pour Mohammed Sansam se trouve pour Mosé, je dis, Ya Rasulallah, non, pas Mosé où. Où assisez, nous Mosé. On va dire, pas question. Et il dit, c'est pas que moi, mon moins mérite récompense avec Allah qui zot, ou bien qui zot, vous êtes plus fort que moi, non, nous tout pareil, chacun pour Mosé d'après ce tour. Quand arrive mon tour, mon Mosé, quand arrive mon tour pour assiser, veut dire Lincoln applique sa notion de l'égalité par rapport à ce droit. Il dit capable moi comme Rasoul, moi besoin un séval juste pour moi. Et ça, quand nous ramener dans la vie, c'est qu'il par là, si nous avons envie amène l'enseignement de l'islam dans la vie, si nous avons envie qu'il nous ait un nous dire une efficacité pour porter sa message là, qu'il soit dans mon case, vis-à-vis mon voisin, avec mon camarade. C'est qu'il faudrait qu'il m'aurait appliqué sa sunna là aussi, sa sunna de l'égalité. Et non pas dans la case, c'est qu'il tout bon meilleur, tout bon privilège pour moi, quand il pour la cuisse pour moi, les ailes pour madame, quand il a tika pour moi, j'ai bien frère, mon petit. Non, ça c'est pas une notion d'égalité. C'est quand là mon con applique ça là sur la ce notion d'égalité dans mon vie, il est là qui comme causer. Voilà, dire oui. Ah, tu causes prophète Zis quand il shoot toi. Zis quand il satisfait tout l'intérêt. Après ça tu obligé l'enseignement sur là dans ta vie tous les jours. Donc ça sonne par rapport à l'égalité qui est centrale. Les centrales dans le message, et c'est ça qui amène, nous ne pas dire ça, l'efficacité que ça sur là, il nous gagne. Quand tu as l'intimité de man barrage dans la justice, et dans sa notion népotisme, favorise famille. Et ici, nous avons verset 31, dans sur la 4, verset 135, qui est un verset faux, que Allah Ta'ala amène sa notion au banquier d'Iman, tu dis ferme dans la justice, comme un témoin vis-à-vis Allah, qu'il y soit contre autres même, qu'il y soit contre autres même, dans la justice, il y a innocent avec il y a coupable. Dans la justice, paix dans la famille, dans la justice, paix dans la relation disant, dans la justice, paix dans la relation l'osant. Si vous êtes pour propense, si vous êtes pour. Si tu fermes, si tu témoignes la justice contre ou même, dis-le. Quand il arrive un problème,
on rend compte après un temps, après deuxième temps, qui on fait erreur, retourner, gain courage d'y retourner, on fait erreur, on est mal causé. On présente une excuse. Ça, c'est sunna. Ça, c'est l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vis-à-vis de nous-mêmes, dans nous la case, quand nous sentis qu'il y a une situation, une tension qui nous déroulait, finir la tension pendant 3 temps, 4 temps, et chacun perd la ligne, si on rend compte qui c'est ou qui est coupable, reconnaître-le. Reconnaître-le. Il faut partir de l'enseignement du Coran. Donc, proclame la justice contre vous-même, ou bien contre vos parents, ou bien contre vos familles, qu'il est riche, ou bien qu'il est pauvre, Allah, le meilleur protecteur qui est où. N'a pas suivre la passion, l'émotion. N'a pas suivre l'émotion. Tension, tension, ou dévier de la justice. Ce verset-là, c'est qui c'est un verset qui faut sur la 4, verset 135, en lui-même, il est capable de lire un thème, il est capable de dire, qui dit man réflexion, il y a un livre qui est écrit là. C'est pour faire nous comprendre qui dans la justice. Par exemple, si mon maman, il y a un problème avec une voisine qui n'est pas musulmane, et moi, je me rends compte que c'est mon maman qui est en tour. Mon maman qui est en tour, il lave sur la cour, il passe balier, il jette tout de l'eau devant sa voisine là sur la case. Mon bisère est capable de trouver moi dans ce moment-là pour moi interpeller mon maman d'une bonne façon, avec respect, avec tact, avec sagesse pour dire maman, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Dans ce problème qui t'a gagné avec tel ma aussi, avec tel tantine, toi, tu ne fais rien. Toi, tu es coupable, banna innocent. C'est ça qu'il faut en dire. C'est ça qu'il faut dans nos messages, ça. Mais bien souvent, nous ne pouvons pas faire lire. Parce que nous retrouvons aussi, bien souvent, poussés par cette notion de fanatisme. Qui veut dire que quand nous n'avons pas utilisé en dehors, dans n'importe quelle situation, quand un événement est arrivé, si un musulman en taux est non-musulman et n'a raison, nous sommes bien capables de dire, pour nous fidélité avec notre âme, pour nous capables de dire, dans sa caisse-là, sa musulmane-là, les en taux, sa hindou-là, ou bien sa chrétien-là, ou bien sa juif-là, dit n'a raison. Et bout en bout, ça pouvait être là, une petite ferme là dans ça. Dans sa même verset, dans sa même sur la 4, verset 135, pour l'épisode qui peut arriver, quand une musulmane, il est pour coquin, un bouclier, un djimoun, il peut cacher ça dans la caserne juive. La caserne juive. Pour la suite, quand on peut faire pour sa question pour venir devant lui, quand vous rôdez pour gagner dans la case juive, tout pour les croire que ça juif la coupable. Allah pour descendre une série de versets Coran dans son An-Nisa pour proclamer l'innocence d'un juif et pour faire connaître qui c'est un musulman qui entoure. Ça, c'est nos messages. Ça, c'est la justice. Dans la justice, paix n'a communalisme. Dans la justice, paix n'a famille. Dans la justice, paix n'a, ce que nous disons, fanatisme. Et ça, dans ce sens-là, il peut être plein de fanatisme. Il peut dire, celui qui a besoin de rassembler, celui qui a la guerre pour rassembler, il n'est pas parmi nous. Celui qui mort pour fanatisme, il n'est pas parmi nous. Mais là, il y a dans ce sens-là, qui veut dire fanatisme? Qui veut dire fanatisme? Il peut donner plus de l'explication. En tout aïd, au maka ala zolm. Fanatisme, c'est qu'il te continue et ta communauté quand on a fait l'injustice. C'est qu'il te continue et ta communauté, veut dire ta communauté, ta religion, ta tribu, ta famille, quand on a ton côté qui ban là pour faire l'injustice. C'est ça l'islam. L'islam, c'est qu'il vient dans la justice, paix dans la famille, paix dans la communauté, paix dans la relation, c'est qu'il est innocent. Innocent, c'est qu'il est coupable, il est coupable. Sur la 4, verset 135, et dans l'autre verset qu'on a, qu'il faut encore. Qui profite pour guider dans tout ce travail, c'est dans la 5, verset 8, quand Allah te dit Voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin ala ala ta'adilu. N'a pas laissé la haine qu'une communauté est vis-à-vis toi, empêche-toi de faire la justice. Voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin ala ala ta'adilu. N'a pas laissé la haine, l'ennemi qui une communauté est vis-à-vis d'autres. En paix, Zot fait la justice. Non. Ben là, pas content nous, Alhamdoulilah. Zot content nous, Alhamdoulilah. Mais dans la justice, paix dans la notion content, pas content. Paix dans l'amour, paix dans la haine dans la justice. C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui amène sa notion. Zot dit,
Nous quand dire le monde en entier, il y a une difficulté pour arriver pour risque ce concept de justice à ce niveau-là. Que pour capable dire qui si quelqu'un y ento qu'il soit dans nos communautés, dans nos pays, nos leaders politiques, nos gouvernements, si je t'entoure, nous vous disons je t'entoure. Si je t'en raison, nous vous disons je t'en raison. Ça, c'est niveau que l'islam in risque la justice. Tel un, tu mentionnes népotisme, un des aspects que le prophète dit, grâce, faux, pour faire comprendre qu'il dans la justice, peine favorise X, l'Y. Tu as une madame dans Beno Marzoum, qui t'y commettait un vol. Ben, j'ai mon idée que sa madame là, c'était, nous dire de la haute société. Comment pour faire, c'est pour appliquer la peine capitale envers une madame qui font partie de l'aristocratie. Je t'approche, Oussama ibn Zayd, qui est un préféré de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un qui dit bien proche avec le prophète. Pour j'allais intervenir auprès du prophète, j'allais dire un coup, si capable, tu comprends qui est arrivé, mais fais un léger, pas fais rien, un grand monde ça. Si le prophète fait ça, nous jouons retourne comme nous étions auparavant, c'est comme je disais au commencement, quand la justice vient, c'est un instrument de domination pour craindre Zizban qui est faible, Ziz la masse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pense comme une occasion, quand là il n'a plus faux, quand là il dit, oh, ben Jimoun, ben qui tient avant eux, fait une destruction, parce que quand là, un qui est dans la noblesse, un qui est dans la nobilité, dans l'aristocratie, ben bourgeois, quand vous êtes coquin, tu peux les autres aller. Mais quand un monde misère, un monde faible arrive coquin, tu peux punir. Il dit, par Allah. C'est moi qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait, wallahi, par Allah. Si Fatima bint Mohammed, tu coquin, moi tu peux couper ce poignet. Tu comprends? Qui dans la justice, paye la famille, paye la dissent, paye la relation, paye la risque pauvre. Et ça l'est également dans Bukhari et dans Muslim. Par la suite, nous retrouvons ce travail que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, et ça c'est pour un dernier point qui nous survient tout là, c'est qu'en même temps qu'il amène sa notion de citoyenneté égalitaire, en même temps qu'il dans la pratique, il reste ferme dans tout ce bon principe de justice. En même temps, il travaille pour les élèves ben, qui peuvent subir, nous disons, ben, subir l'oppression. Et il fait comprendre quelque chose, ça ben, qui nous fait dominer aux autres là, qu'il soit un handicapé, qu'il soit un malade, qu'il soit une personne âgée, qu'il soit une madame, qu'il soit un travailleur, qu'il soit un esclave, fais attention à ce djimoun-là, ce doigt. Fais attention à ce djimoun-là, ce doigt. Parce qu'il n'y a aucun barrage quand un djimoun peut subir le zolom, peut subir l'injustice, quand ce djimoun-là lève la main, djimoun doit avec Allah, il n'y a aucun barrage entre lui avec Allah. Doigt là prend et il prend bien même. Fais attention avec doigt un mazloum. Nous trouvons beaucoup de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à une madame, que le prophète fait comprendre qu'il est dans un homme et il a dégagé des hommes. Il n'existe pas un homme qui est honorable, après il y a un qui est vil. Un homme honorable, il traite madame d'une façon honorable, d'une façon propre. Et il y a un homme qui est vil, qui, comme on dit, dernier grade dans un homme, c'est qui fait dominer avec madame. Et le prophète, il y a pile là, je recommande aux autres fortement, traite cette bonne madame bien. Meilleur parmi les autres. Meilleur parmi les autres. C'est bonne qui meilleure envers cette bonne épouse. C'est qui, sa comportement, nos comportements envers notre épouse, c'est un reflet de nos spiritualités. Un reflet de nos niveaux spirituels, de nos succès, de nos progrès spirituels. En même temps, nous trouvons un cas qui nous a traité. Calomnie contre Aïcha radiallahu anha. Ben Jimoun dans Medina fait une campagne de calomnie contre Aïcha radiallahu anha. Allah descend 20 versets Coran. 20 versets Coran pour blanchir Aïcha. Ou m'a dit, pas fini na zoué, pas fini na taben calotte. Zis pour calomnie, Allah descend 20 versets Coran pour blanchir Aïcha. Qui conscient Allah est particulièrement sensible envers ben madame. Ça, c'est le travail qui sera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec nous, pour de nous, afin que nous qui suivons lui, devenons un véritable monde qui dans nous la vie et dans sa noblesse, et dans sa niveau, et dans sa hauteur, qui nous, l'humanité, capable de permettre de nous monter quand nous mettons en pratique l'enseignement de Rasulullah. Il applique pour madame, il applique également à
man travailler nous tout nous connons ça dit paye un dimon sur la sur salaire avant qu'il se la soit sec paye un dimon sur salaire avant qu'il se la soit sec dans l'autre hadith faux qui trouve dans Bukhari que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah ta'ala dit un hadith qudsi que Allah dit que moi mo pou adverser trois catégories dimon zo qiyamah mo pou adverser trois catégories dimon zo qiyamah en là-dedans. C'est quelqu'un qui fait vendre un homme libre et lui fait manger au prix. C'est quelqu'un qui fait vendre un homme qui est libre. C'est-à-dire, il prend un homme qui est libre, il fait vivre un esclave. Il fait vendre un homme libre, il fait consommer au prix. Un deuxième, c'est quelqu'un qui lui fait prendre service, il fait employer quelqu'un pour travailler pour lui. Un homme qui fait travail qui est bizarre, par la suite, il n'a pas fait payer. Donc, ça, un homme là, il est capable de travailler. Un jour, il n'y a pas de travail. Et n'y a pas, Allah t'a dit, moi, je vous ai dit, mon là, sur l'adversaire, Zou Kriyamat. Et nous trouvons dans même pareil, dans même lien, et nous avons un hadith faux par rapport à nous. Traitement vis-à-vis de nos ennemis, c'est-à-dire de nos citoyens, non-musulmans, juifs et chrétiens, dans un État islamique. Côte là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, Zou Kriyamat, je vous adversaire, ça dit, mon là. Celui qui vient dito un juif ou soit un chrétien qui sous nous avons un contrat avec les visiens, par exemple quelqu'un qui est dans l'État islamique, il paye jizya, il paye raquer tout ce qu'on devra envers l'État, si quelqu'un fait dominer avec ce man dimoun là, moi, je suis adversaire Zou Kriyamah. Nous avons également, dans sa notion de justice là, il prend ban qui faible, il ramasse également ban animaux, paye un part de la création qui échappait à la justice et musulmane. Et même les animaux gagnent une boute, gagnent pas dans sa justice là. Quand Allah en sahaba dit ya Rasulallah, mais est-ce qu'il nous gagne une récompense pour nos bons traitements vers les animaux? Le prophète dit bien sûr, il y a une récompense pour tout ce qui est dans la vie, qu'il soit oiseau, qu'il soit humain, qu'il soit animaux, tout autres dans ce qui est dans le traitement envers autres et dans la récompense. Pour terminer, dans ce que nous disons, il disparaît de l'enseignement théorique. Mais dans, nous sommes capables de dire, azodi, reconnaître pas ban di moun, qui est dans l'objectivité, qui est dans un kiken qui ne réussit à mener une vraie légalité dans di moun, c'est bien l'islam, c'est bien l'enseignement prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa légalité-là, il n'est pas juste théorique, nous vivons et nous pratiquons dans nos compréhensions de l'islam. Ici, il y a Swami Vivekananda qui dit, si il y a une religion qui réussit à procéder à cette égalité-là d'une façon appréciable, c'est l'islam et l'islam tout seul. Tout le reste, il y a beaucoup d'efforts pour faire pour réussir à mener l'égalité parmi les gens. Nous demandons qu'Allah donne nos privilèges pour nous devenir vrais disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous réussisse par nos comportements dans nos vies, nous réussisse à faire honneur à l'enseignement de sa grande Rasoul. Et qu'il nous réussisse, nous vivons un vrai disciple de ton Rasoul, qui nous prend son nom avec l'amour, avec respect, avec fascination, avec l'admiration, qui nous continue à lire concernant son Rasoul, et qui nous continue à faire des efforts pour nous apprendre ce sunna dans nos vies. Et ici, ce qui concerne nous, ce sunna par rapport à la justice. Je demande qu'Allah t'a fait nous vivre avec Iman, mourir avec Iman, et rélever avec Iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته